Salut, c'est Lo. Alors, aujourd'hui, petite exploration sur la map, première map Michigan, afin d'essayer de trouver un moteur pour ce Ford. Non, c'est pas un Ford, c'est un Chevrolet, pardon. Il ressemble beaucoup à un certain Ford. Alors, je vais aller, comme là je l'ai marqué, par ici. Là, j'ai pas encore découvert ici. Alors, comme mon Chevrolet est équipé d'une position 4x4, de roues qui sont théoriquement bons pour la boue. Bon, par contre, il pêche, c'est au niveau moteur. Hein. C'est vraiment son point faible. Mais ça devrait passer, ben, j'espère. Ça glisse, hein. Bon, c'est vraiment, ça part facilement du train arrière. Alors, est-ce qu'on passe là, tranquille ou pas? Ça passe, je dirais pas tranquille, hein, ça passe, mais bon. Je passe toujours à droite des poteaux, ça me semble un peu plus facile que de passer en pleine boue. On voit que ça passe, hein. Donc les pneus sont déjà quand même un peu plus adaptés que ceux de départ. Allez, parti pour cette montée qui est pas facile avec le théorique, ah, avec le camion de départ, il est pas très facile. Après avec un camion avec position différentielle, ça va déjà un peu mieux avec un différentiel actif et puis 4x4 ça passe, mais bon, ça va avec le Chevrolet Pickup, ça passe assez facilement. Ce que je fais, je sais pas ce que je vais découvrir dans cette phase d'exploration. J'espère que je vais pouvoir avoir des zones sympas. J'aimerais vraiment bien trouver ce moteur. Du moins un moteur. Je sais pas du tout si c'est sur cette carte-là. Ouf. Bah du moins sur cette première partie de carte, parce que là, je suis toujours sur la première partie. Oula. Oh punaise. Quand même. Allez, monte. Voilà, allez. C'est chaud quand même. Alors j'ai mis les suspensions surélevées aussi. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais bon, comme si on a du franchissement, c'est un peu plus simple. Par contre, dans les montées, c'est pas terrible. Et là, je vais. Est-ce que c'est bon au niveau de la route? Ouais, on suit. Ok, donc ça va m'emmener tout en haut de la montagne. Et il y a l'air d'avoir une espèce de cabane, je ne sais pas quoi. En haut, on va aller voir ça. Oula, j'ai failli être embarqué dans la. Le petit treuil.
je vais m'accrocher là-bas. Retirer ça là parce que. Vraiment que je fasse attention, hein. Je suis un petit peu trop vite par moment. Que je fasse attention au dénivelé du terrain. Parce que je fais pas gaffe et j'avais pas vu que ça penchait vraiment sur la gauche. Là, je suis entraîné. C'est fou quoi. Ok. Ah, je passe où là? Là! Oh, oh. Ah ouais, là c'est. Ouais. Passage, il est pas. Ouais, ça pas. Ouais. Alors, j'ai bien fait de venir en. En pick-up, hein. Le camion là, ça aurait été très 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 dur. Serré à gauche, un peu plus sur la droite et on braque. Allez, allez, ouais, c'est bon. Punaise, c'est excellent, c'est excellent. Alors si vous avez hésité sur le jeu en cette période là. 14 aujourd'hui, 14 mai, il y a des promos sur Epic, vous pouvez bénéficier de d'un bon, qui vous donne droit à quelques euros de réduction. Donc si vous avez hésité sur SnowRunner et que vous aimez bien ce style de jeu, n'hésitez pas, franchement il est très sympa. Allez. Oula. Ça monte là. Super. Allez, bientôt arrivé. Ça passe. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut? Ou alors c'est juste. Oh, pouf. Bing, allez. Un petit pourcent sur le moteur. Ça va. Rien de bien méchant. Punaise. Je peux pas tourner là. Allez. Je suis assez content en fin de compte de ce Ford. Bon, mis à part le moteur, il y aurait un moteur un peu plus péchu, ça serait sympa. Mais je suis très content parce que. Ah ouais, d'accord, bon, ok. Bon, bah. une petite zone pour observer le paysage. C'est sympa. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit quelque chose là-haut. Bon, heureusement, il n'y a rien. C'est pas grave. Alors, là, je suis ici. Si je redescends, je vais essayer. Alors, je sais pas du tout si je peux couper à travers ici. Hein. Là, si je peux aller là, et puis si je peux couper comme ça, ce serait bien. Pour aller là-bas. Alors, est-ce que je peux faire ça? Je vais essayer. Allez, marche arrière. On revient sur nos pas. Tranquillement. Alors, on va laisser descendre. Petit coup de frein de temps en temps.
Ça descend tout seul, j'ai pas besoin d'accélérer là. Ça suit. Intérieur, ça donne quoi? L'immersion, elle est sympa. Hein. On va vu l'intérieur quand même. Oula! C'était quoi? J'ai eu un petit freeze là. Ça, un petit freeze écran. J'ai cru que j'allais partir dans le décor quoi. On voit que le... Oh, c'est chaud. Il est embarqué par par l'arrière. Alors, c'est là quelque part. Il va falloir que je regarde si je peux aller tout droit. Ah ouais, c'est au prochain... Prochain virage à 180. J'essaye de regarder si je peux aller tout droit. C'est pas sûr. Hein. Vraiment pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a un arbre ici, quoi, sérieux? Pourquoi ils ont mis un arbre là? Pour nous embêter. C'est clairement pour nous embêter. Même un 4x4, il a du mal à passer là. Un pick-up, quoi. Regarde ça. Ah ouais, avec les rochers, je sais pas si ça va passer là. Ah, quoique là. Allez, je tente. Non, 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 non. Oh là 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 là. Ouf, heureusement qu'il y ait l'arbre. Heureusement qu'il y avait cet arbre là. Alors, je peux m'accrocher où? Est-ce que, grâce à la pente... Ah non, il a cassé! C'est bon. Je vais faire ça si je braque les roues là comme ça. Petite marche arrière, non? Non, non, ça passe pas. Où est-ce que je peux m'accrocher? Cette pente est vraiment... Voilà, allez. Vraiment très très abrupt. Hein. Pas, ça paraît pas comme ça, mais... Alors, là j'ai vraiment peur de me retourner. Est-ce que si je fais marche arrière comme ça? Allez, on saute de l'arbre. J'essaye de me remettre droit. Oh non, 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 non. Ah bah là, si je... Un moteur calé. Bah ouais. Ah ça va, je suis... Comme je suis pas totalement retourné, je me laisse redémarrer. Alors c'est ça, c'est là que...
ou un treuil autonome pourrait être sympa. Mais bon, on voit quand même les limites de ce pick-up quand même, hein. Au niveau de la pente là, il gère pas. Il gère pas bien cette pente, hein. Allez, laisse-moi me retourner. Oh là là, mais c'est quoi ça? L'arbre a cassé quoi, mais c'est. Comment un tel arbre peut casser quoi? C'est pas possible. Est-ce que si je m'accroche comme ça, tirer en arrière. Voilà. Regardez-moi ça. Sympathique quand même. Même l'aspect nuit est très bien réalisé. C'est très beau. Alors, est-ce que je vais arriver à aller à ce point? À cette tour du moins. J'aurais bien pourtant comme ça on dirait pas que ça qu'on ne peut pas monter hein, mais c'est fou quoi. On freine, on freine. Allez, essaye de monter en marche arrière mon petit. Vas-y. Comme je peux pas me mettre en marche avant. Allez, on se met en marche arrière. Allez! Allez! Alors, frein à main. Oh là, même avec le frein à main, ça glisse quoi. Wow, je peux m'accrocher à cette arme, ça c'est cool. Tire le frein à main, on tire. Allez. Allez! Oui! Wow. Allez, on se met comme ça, on va céder. Je lâche le treuil. Eh ben, si j'arrive, j'aurai vraiment... de la chance parce que là oh punaise hein, faut pas accélérer là j'ai à peine accéléré que je partais voilà ah bah voilà réussi à couper à travers bon ça va c'est un peu médisant le pick-up Chevrolet ça passe emplacement amélioré découvert. Voilà qui est fait. Nouvelle tour. Découverte. Ici, je l'avais découvert ou pas, je sais plus. Bah non, je l'ai pas découvert puisqu'on a une amélioration ici. Alors, est-ce que c'est pas une amélioration pour ce 4x4 là? Bah écoutez, je pense que je ferai cette découverte d'amélioration pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo exploration sur SnowRunner. Donc n'hésitez pas en début de jeu d'upgrader ce petit Ford. Bah, c'est plus sûr. Je sais pas pourquoi je veux que ce soit un Ford. Ce petit Chevrolet, hein, vous mettez suspension haute, des pneus pour la boue, bah plus ou moins bon pour la boue, avec une prise d'air là que vous voyez sur le côté, et puis il fait déjà pas mal de choses. Hein, sans pour
pour aller explorer cette carte-là, c'est très sympa. Voilà, allez. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Allez, bye bye.